Salut les gars, c'est Dil. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal comme d'habitude. On se retrouve pour le 8ème épisode de notre let's play sur Metal Gear Solid. On continue directement là où on s'était arrêté lors de la fin de l'épisode 7. Après un gros épisode chargé en combat contre le Inde, mon frère Liquid. Contre ces soldats équipés de la combinaison camouflage optique dans l'ascenseur, qui était plutôt compliqué. Et ce combat phénoménal contre cette jeune dame qui repose en paix maintenant, Sniper Wolf. Donc, on continue directement. J'ai juste au préalable les petits potes. Vous voyez là-bas, il y a des portes. Il y avait un petit peu de stuff. Donc, il y avait des grenades chaves, des missiles pour le Stinger et tout. Là-bas aussi, il y en a une. Donc, j'ai déjà au préalable récupéré tout ça. Comme ça, on peut directement avancer. Parce que là, vous allez voir aussi pourquoi j'ai dû avancer, justement. Alors, attendez, là, il y a des caméras. On va mettre une petite chaffe. J'ai pas envie qu'elle me pète à la gueule non plus. Voilà. Et donc, là, c'est parti. Juste des balles de SOCOM, là. On avance. Elle a petit élément dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, ne vous en faites pas. En fait, il faut simplement changer de jeu. Changer le disque plutôt. Donc, j'ai déjà fait mes réglables, encore une fois, à l'avance, pour pas qu'on se retrouve niqué. Donc, on a juste à faire change disc. Tac. Appuie sur la touche start. Après insertion du disque 2. Maintenant, vérification. Et c'est parti. Donc, je rappelle que je fais le jeu sur émulateur. Donc, j'ai dû rentrer le fichier dans ma liste de jeux, tout ça, pour que ça marche bien. Et donc, là, voilà. On a changé de disque. On est sur le disque 2. Les joies de Rome Station, les gars, si vous voulez vous faire des jeux rétro. PS1, PS2, GameCube, les vieilles Nintendo, tout ça. Vous avez pas mal de consoles. N'hésitez pas à installer Rome Station. Moi, j'utilise ça depuis... bien plus d'une douzaine d'années, je crois, et j'ai jamais été déçu. Il y a peut-être juste... Oula. Il y a peut-être juste certains jeux qui bug un petit peu au niveau des textures. Mais si vous arrivez à faire vos réglages correctement, ça peut marcher. Là, le problème, j'essaierai bien de le tuer, lui, parce que je pense qu'il va nous faire chier. Attends, juste de voir s'il monte en haut ou en bas. Ok. Voilà, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Tu vas pas me dire qu'il m'a mis l'alerte quand même. Mais comment il a pu... Comment il a pu prévenir ses potes? C'est ça que je me demande en fait. Retour à vos positions. Voilà, retourne voir où t'étais. Toi Guignolos. Ok, bon. Attendez, il y a des caméras. Ah, il y en a une en bas, ok. Oh là là. Alors là, je crois que c'est ici qu'il faut passer. Par contre... Ah, mais comment je fais déjà? Ouh, alors attendez, parce que là... Il y a des petits éléments dont je me souviens plus vraiment, là. Est-ce que c'est plutôt par ici qu'il faut aller? Non. Alors, ouais, attendez, parce que... Là, je bug un petit peu. Attendez, il y a même du stuff à récupérer, là. Ok, donc, on va passer par là. Ah, d'accord, le truc bouge. Ok. Et donc, ouais. Alors, faut que je réfléchisse parce que je me souviens plus vraiment de tout ça, là. Est-ce qu'il va bouger jusqu'à moi? Non, hein.
Ah si, peut-être. Parce que là, le problème, c'est que je peux pas me mettre... Ah si, d'accord. Ah bah parfait ça. Je peux pas avancer, mais au moins je peux me baisser. Bon, attendez. Je vais voir. Est-ce qu'il va aller encore plus loin ou est-ce qu'il revient vers moi? Un peu plus loin, d'accord. Je vais attendre qu'il repasse par là. Ok. Let's go. Parfait, parfait. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on a quoi là-bas? Je peux avancer. Ah, ça met dans une toute autre ambiance là. Soldat là-bas. Hop. Alors attention, puisqu'il y avait des caméras. Petite ration, je récupère directos. Alors, il va revenir. Hein. Il revient, le soldat. Pareil, je vais essayer de le fumer, lui, comme ça, on se fera un peu moins chier. Si tu veux descendre, ce serait parfait. Va venir en face de moi ou est-ce que je crois qu'il va venir? Yes. Voilà, c'est parfait. Petite ration. Oh. Ah, puis j'ai lavé au max, dommage. Écoute, on va la laisser là. Si jamais je suis en galère, je reviendrai la chercher. On sent quand même qu'on se rapproche de la fin du jeu, hein. La musique a changé, c'est un peu plus... un peu plus sérieux là. Grenade stun, très bien. Là y'a quoi? Ah bah c'est pour partir, ok. C'est pour partir, mais là c'est quoi du coup? Là aussi? Ok. Bah alors je peux passer par où? Ah, si je vais tout droit, ça me mène. Du C4, je prends. Et là, il y avait un ascenseur. Ah, mais non, mais je voulais. Je voulais pas le prendre, je voulais pas le prendre. Laissez-moi redescendre en fait. Reprends-le, Snake. Je crois qu'il faut que je passe par l'autre porte qui est là-bas. Normalement, ouais, faut que je passe par là. Ah, ok. Ah, mais si c'est juste pour récupérer des balles, en vrai, j'y vais pas, hein. Ah, écoutez, vas-y, on va avancer. On va avancer, j'ai pas envie de perdre de la vie et tout encore. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Voilà, encore une fois, si on est en galère, on retournera là-bas, chercher ce qu'il faut. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller niveau stuff, hein, je suis pas mal. Est-ce qu'il y a des ennemis ici? Non. Juste, on récupère du loot, comme dirait mon frère. Un ascenseur qui est arrivé. Est-ce qu'il y a autre chose à récup? Ouais. Ok. Prendre le FAMAS. Et encore là. Parfait, parfait. Et bah, allez, go. On va prendre le petit ascenseur. Est-ce qu'il faut faire un truc là? Yes. Alright. Eh bah ben, c'est parti. Allez, encore une fois. Ah.
Encore vous, merde, merde. Bon, on va encore réutiliser des grenades, hein. Non, bah c'était pas là, super. On va prendre les rations. Avant qu'il commence à me tirer dessus, ce serait bien. Voilà. Bah parfait. Allez, tirez-moi dessus. Voilà. Mon FAMAS, il est où? FAMAS est là. Attendez. Je vais faire un truc aussi. Save state. Voilà, on va sauvegarder sur ça. Game save 2. Voilà. Je vais me faire des sauvegardes rapides, comme ça, ça m'évitera de recommencer si jamais. Par contre, ouais, je me suis flash même moi-même, quoi. Ah ouais, vous venez même me chasser comme ça, putain, mais vous êtes incroyable. Oh là là! Allez, t'as ma visée, elle est moche là! Bon, je vais déjà crever, les gars, je pense. Hein. Je fais vraiment n'importe quoi avec ces combats là dans l'ascenseur. Oh, c'est super moche! Me va vraiment pas comme il faut. Je m'en fous des balles, donnez-moi des rations s'il vous plaît là. C'est bon ou il y en a d'autres? Ça a l'air bon. Ah, je fais vraiment n'importe quoi. Bon, moi j'ai perdu toutes mes rations que j'avais d'avance. Parfait. Ah, je suis pas futé là. Ah. Ça me casse les couilles parce que je l'avais entendu, c'est ça qui me rend dingue. Est-ce que la chef ça va marcher là? Ça a l'air d'avoir marché. Ah, je suis maudit. Ah, je suis maudit là. Je bug là. Il me faut une ration. Ok, parfait. Et clé mort. Je remettrai bien une chaffe pour être tranquille. Je sais pas, non. Je sais pas. Parce qu'elle est où cette caméra de mort là? Ah bah elle est là en fait, d'accord. Même si ça me sert pas à grand chose. Bon, let's go. Je vais essayer de perdre un peu moins de vie là. Vous vous doutez bien qu'on va encore avoir un combat, hein. C'est pas si simple. Faut pas me dire bon voyage en ascenseur là. Revenez là qu'on se frite. Même si c'est des corbeaux, venez, venez, y a pas de soucis. Heureusement qu'on n'est pas dans Resident Evil, hein, parce que ça, ça m'aurait attaqué direct. Ça m'aurait piqué le cou. Ça va, vous posez, on est posé, on est bien. Ah, peut-être qu'il n'y a pas d'autres ennemis en fait. Qui c'est qui m'appelle? Snake? Oui? Il faut que je te dise quelque chose sur Naomi Hunter. Quoi sur Naomi? On peut parler en sécurité? Pas d'inquiétude, le moniteur est coupé. Ok. Qu'y a-t-il? Tu sais, moi aussi j'étais au FBI. Ah bon? J'avais pas. Et alors? Le récit du Dr. Hunter sur son passé, son grand-père censé être un des assistants de Hoover au FBI? Ouais.
et qui aurait travaillé en couverture pour enquêter sur la mafia à New York. Ouais, et alors? C'est du pipeau. Que dites-vous? Ça ne sonnait pas juste. Mais pourquoi mentirait-elle? Elle mentait. Elle pourrait être un espion. C'est ridicule. Enfin, même un lycéen aurait détecté ce mensonge. Edgar Hoover, le patron du FBI à cette époque-là, était un raciste endurci. Naomi nous a bien dit que son grand-père était japonais. Ouais. Eh bien, à cette époque, il n'y avait pas un seul enquêteur asiatique. De plus, les opérations de dépistage de la mafia n'ont pas commencé dans les années 50. Elles ont débuté en 60, à Chicago, pas à New York. Mais... tu devrais vérifier tout ça. Le chef et le président qui meurent mystérieusement, ce ninja, ça fait beaucoup de coïncidences. Vous pensez que Naomi aurait tout prémédité? Je ne sais pas. Ou encore, elle pourrait être de mèche avec les terroristes. Vous croyez? Si j'ai quoi que ce soit, je t'appelle. En attendant, fais attention. Merci Miller, merci mec. C'est bien le moment de me faire des révélations là. Alors que je suis en stress tout seul dans un ascenseur contre 20 000 soldats, c'est bien. Eh bien écoutez, pour une fois je suis content de m'être trompé. J'ai pas eu d'autres combats à faire. Très bien. Alors... attends, je vais quand même prendre les thermiques parce que tout le temps les clés morts là ça commence à me saouler. Non c'est bon. Oh là là, des rations, merci. Là-bas, il y a quelque chose ou pas? C4. Nikita. Ok. Rien d'autre là? Non. Ok, bah écoutez, on avance, hein. C'est parti. Alors, je vous spoile pas, mais je sais ce qui arrive là, et ça va être technico ça. Et voilà, il est revenu, notre pote avec son char d'assaut là, et cette fois-ci, il marchait là, un char d'assaut sur le dos. N'est-ce pas, mes amis? Écoute, ils sont d'accord. Tu sais, les corbeaux ne sont pas des nécrophages. Ils ne font que rendre à la nature ce qui n'est plus nécessaire. Quelquefois, ils attaquent des renards blessés. C'était toi sur le tank M1? Tu devais y être à l'étroit, un grand gaillard comme toi. Alors le doublage est le même, les gars, pour préciser, c'est Emmanuel Bonami, hein. Plutôt que Raven, c'est pour ça que la voix ressemble. Les corbeaux et moi, nous te testions afin de déterminer qui tu étais. Le jugement a été rendu, les corbeaux disent que tu es un combattant. Ils ont bien raison, les corbeaux. Je le fous ou quoi? Je ne peux pas bouger. Le corbeau t'a marqué du signe de la mort. Oh. Du sang de l'Est coule dans tes veines. Oh. Ah, tes ancêtres aussi ont grandi sur les plaines nues de Mongolie. Les Inuits et les Japonais sont tous cousins. Toi et moi partageons les mêmes ancêtres. Pas de corbeau dans mon arbre généalogique. Tu ris, mais les corbeaux et les serpents ne sont que rarement amis. Quoi qu'il en soit, tu seras un adversaire à ma mesure. Toi aussi, tu viens en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimo-indiennes? C'est quoi ce sujet? C'est quoi cette question? Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimo. Oh. Les deux adversaires se tirent mutuellement l'oreille par grand froid. C'est un test d'endurance aussi bien spirituel que physique. Je connaissais pas cette discipline. Qui en l'oreille? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Réjouis-toi, Snake. Glorieuse sera notre bataille. Rien de glorieux. Ce n'est qu'une tuerie. La violence n'est pas un sport. Eh bien, nous verrons si tu parles en mots d'acier. Et allez, bah on va dans ce fight. Alors attendez, je vais me casser là-bas. Je vais mettre pause. Encore une fois, je suis désolé de faire ça, mais les gars, c'est pour éviter de tout me retaper le chemin, parce que je pense jamais à sauvegarder dans le jeu vers Mailing. Donc comme ça, on reprend directement au fight. Alors, je pense que l'astuce,
Si je me souviens bien, ça doit prendre le Nikita. Je sais pas où il est là exactement. Je vais essayer de faire comme ça. Ah, il a eu... Merde. J'essaie de le mettre dans son dos. On va essayer comme ça. Il va le voir là. Yes, c'est passé. Attention parce que là il peut me voir. Ok. Qu'est-ce qu'il a à faire le choquer là? Alors là il va le voir, attention. Si je passe dans son dos ça peut le faire. Allez allez allez. Faut que ça aille, faut que ça aille. Ah putain, il l'a pas pris. Dommage. Je sais plus si le Singer ça marche. Où c'est qu'il est là? Ouh, je reste focus hein. Ce qui fait très mal avec son truc. Dis-moi que t'avances, s'il te plaît. Il avance. Yes. On va plutôt le faire au... Pas besoin de crier comme ça, hein. C'est parfait. Ouais, on va vraiment essayer de le faire au Nikita, c'est déjà mieux, parce que l'autre, ça prend trop de temps. Ah non, dommage. A-E-I-O-U. Allez, reviens, Raven. Où c'est qu'il va? Il est là, il s'essouffle tout seul. Oh putain. Allez, avance vers moi. Pas trop quand même, pas trop quand même. C'est pas grave. Il l'a pris aussi. Wouh. Il est essoufflé hein. Ok, il défonce tout. Yes, parfait. Il est choqué, il est en état de choc. Reviens mon con. Bim! Attends, perdre la life, hein. Ouais, il veut tout défoncer. Aïe. Ok. J'ai plus de... Ah si, j'ai du Singer encore, parfait. On va avancer encore. Oula, oui. Oula, oui. Faut que je le chasse, faut que je le chasse. T'essouffle pas comme ça. Allez, allez, allez. Ah, ça va pas passer. Putain. Là, je suis en train de niquer mes missiles. Mais reviens, c'est moi qui lui cours après.
S'il passe en bas, je suis mort. Ouh, j'ai eu chaud. Bah où? Ok, il tourne encore. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, remonte. Bon, on va tout droit. Ok. Allez, il monte encore. Là, je suis dans son dos là. Là, ça passe. Yes. Allez, parfait, parfait. Oh non! Putain, je pensais pas que t'étais là, enculé, va. Ok, on va quand même prendre... Oh non, ma ration, elle est froide! Oh putain, merde, je me souvenais plus de ça. J'ai congelé la ration, mais n'importe quoi, c'est quoi cette connerie? Putain, allez, allez, il allait tout droit, là. Ah putain... Ouais, on peut pas faire chier. Ah, c'est bon. Ok. Oula. Oh putain, qu'est-ce que j'ai eu chaud. Bon, ça prend du temps, les petits potes, hein, mais c'est normal. J'ai obligé de le courir après, quoi. Pas vu. Là, je vais crever. Ouh! Il va de plus en plus vite. Est-ce qu'il redescend? Il redescend pas. Il redescend pas, c'est le moment, les gars, de lui en mettre une. Yes! Aïe! Oh! Oh! C'est quoi sa pattern là? Il remonte, il redescend. Il redescend du coup, ok. Putain, j'ai plus de stinger. Non. Putain, je crois qu'on va mettre du C4. Attends, LC4, c'est comment que j'ai fait péter? C'est rond. Ok. Putain, il va remonter. S'il passe là, je peux lui faire péter le C4. Yes, voilà. Du C4 là. Il passe. Let's go! Alors ça, si c'est pas un fight bien géré, je m'appelle pas Deal Games. Allez, parfait. Le patron avait raison. T'as pas trop galéré, je suis content. Existence tout entière qui n'a plus raison d'être. Mais mon corps ne restera pas ici-bas. Mon esprit et ma chair ne feront qu'un avec les corbeaux. De cette façon, je vais retourner à la terre qui m'a porté. Je te surveillerai de là-haut, Snake. Compris ? Snake. Prends ce passe, il t'ouvrira cette porte. Pourquoi? La nature n'a pas créé le serpent que tu es. Ni toi, ni le patron. Vous venez d'un autre monde que je ne veux pas connaître. Va l'affronter. Moi, je vous regarderai de là-haut. Je vais te faire une confidence. L'homme qui est mort en ta présence. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ce n'était pas le chef du Dharma. C'était Decoy Octopus. Un membre de Foxhound. Il était maître en camouflage. Il imitait jusqu'au sang de ses sujets.
C'est pourquoi il a vidé le chef de son sang et se l'est approprié. Mais il n'a pas pu tromper l'ange de la mort. L'ange de la mort ? Pourquoi se donner tant de peine, se faire passer pour le chef ? Ma confidence s'arrête là. Tu devras résoudre le reste de l'énigme tout seul. Snake, les tueries incessantes n'existent pas dans la nature. Elles finissent toujours par s'arrêter. Mais toi, tu es différent. Qu'essayes-tu de me dire ? À chacun de tes pas, tu enjambes les cadavres de tes ennemis. Leurs âmes te hanteront pour toujours. Tu ne trouveras jamais la paix. N'oublie pas, Snake. Mon esprit va te surveiller. L'autre se prend pour son Goku à se téléporter ou quoi? Allez, rendez-vous en enfer, Raven, hein? Qu'est-ce qu'ils me veulent encore, ces Miller? Snake, c'est moi. C'est toi, je t'ai reconnu, oui. C'est à propos de Naomi. Mais qu'est-ce qu'il a avec Naomi, lui? Alors quoi, Naomi? Flûte. Flûte. Colonel, Naomi est là? Non, elle est sortie, elle se repose un peu. Pourquoi parliez-vous de Naomi? Peut-être faut-il mettre le colonel dans la confidence. Ouais, allez-y, maître. En résumé, le docteur Naomi Hunter n'est pas le docteur Naomi Hunter. Quoi ? Je trouvais son récit à propos de son passé très bizarre. Je l'ai donc vérifié. Et ? Il existe un vrai docteur Naomi Hunter. Devrais-je dire, il en existait un. Mais ce n'est pas la femme que nous connaissons. La véritable Naomi Hunter a disparu quelque part au Moyen-Orient. Notre Naomi a dû réussir à se procurer ses papiers. Mais alors, qui est-elle vraiment ? Une sorte d'espionne, je suppose. Une espionne ? Oui. Peut-être a-t-elle été envoyée pour saboter l'opération. Vous pensez qu'elle travaille avec les terroristes? Je ne voulais pas le croire non plus, mais elle appartient à Foxhound. Donc tu penses qu'elle a pris part au soulèvement? Ou encore, il se peut qu'elle travaille pour un tout autre groupe. Un autre groupe? Ça ne serait pas... Il faut que vous l'arrêtiez. Quoi? Elle nous a trahis. Il faut l'arrêter et l'interroger afin de découvrir pour qui elle travaille. Si elle est l'un d'entre eux, on a un gros problème. Ce sacré Miller, il a toujours la rage en lui. Hein. Non, rien. Est-elle impliquée dans une opération secrète vitale ou autre? Ne serait-ce pas en rapport avec les morts mystérieuses du chef du DARPA et du président d'Armtech? Je n'en ai aucune idée. Elle doit absolument être exclue de toute participation à cette mission. Attendez une minute. Sans elle, nous ne pouvons achever cette mission. Je le savais. Tu caches quelque chose. Donnez-moi du temps, je vais la faire parler. Alors dépêchez-vous. Nous devons découvrir qui elle est et ce qu'elle fait ici. Je comprends. Snake! Donne-moi du temps. J'ai plus de temps à te donner. Voilà, ça c'est dit, Gamble. On n'a plus de temps à te donner. On va appeler Mayling quand même. Avec toutes ces histoires-là, on va sauvegarder. Naomi n'avait pas un comportement étrange? Non, je ne peux pas croire qu'elle soit une espionne ennemie. Je refuse d'admettre ça. Oh là là. Je ne peux pas le croire. Tu donnes ton avis, Mayling, vas-y. Taisez-vous, Snake. Comment ça, taisez... Taisez-moi. Moi, taisez-moi. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Allez, on va sauvegarder. Est-ce que ça me sauvegarde bien sur disque 2? Yes, parfait. Non, tu dis rien de plus. D'accord. Bah, merci. Bon, alors. Cet endroit-là, vous voyez l'éclairage, tout. En fait, c'est censé montrer qu'il fait très froid ici. C'est pour ça qu'on avait les rations congelées tout à l'heure. Mais vous verrez... Et en plus, on a la carte niveau 7 maintenant. On va devoir retourner ici parce que on a une spécificité avec une certaine carte. Je l'ai plus sur moi. Ah si, c'est la carte pâle, je crois. Voilà. Entrée d'urgence ou dispositif d'annulation machin. Donc là, elle est devenue bleue. En fait, elle change cette carte par rapport à la température. Vous verrez, ils vont l'expliquer dans le jeu. Hein. Mais c'est pour ça qu'ici, on a un endroit où il fait très froid. Et on a l'autre endroit où il y a de la lave, où il fait très chaud en fait. Vous verrez, ce sera quand même assez important. On devra revenir ici. Je vais refaire un petit tour, voir si j'ai rien oublié. Au niveau du loot. T'as du loot, Coco. Ok,
donc il est mort là, très bien. Alors attendez, je sais plus si c'est par là qu'il faut que je passe. Je vais faire ma petite ronde habituelle. Voilà, c'est Stinger. Missile de Nikita. Là on a quoi? Je sais pas. Alors attends, carte niveau 7, d'accord. Donc c'est bien là-haut qu'il faut que j'aille, hein. Je quitte quand même, mais je crois que on a tout. Ouais, à mon avis c'est bon. Là c'était 6, ouais, donc c'est en haut qu'il faut qu'on aille. Ouais, allez. On avance, on continue. Je vais quand même re-sauvegarder aussi de mon côté. On va sauvegarder là. Voilà. Parfait, parfait. Parce que je vous mens pas, en fait, je sauvegarde beaucoup maintenant. Ah ouais, putain, je me souviens de ces caméras de merde, oh non. Je sauvegarde beaucoup parce que en off, en fait, j'avais essayé de changer de disque et tout. J'avais pu le faire, mais sauf que ça me ramenait à une sauvegarde. La dernière fois que j'ai sauvegardé avec Mailing, et la dernière fois que j'avais sauvegardé avec Mailing, c'était bien bien avant le combat contre les soldats invisibles dans l'ascenseur. Donc je mens pas, j'ai dû tout me retaper ça, me retaper le combat contre Sniper Wolf. Bah, c'était, ça m'a pris pas mal de temps, donc c'est pour ça que là, je prends mes précautions. Est-ce que je mettrais pas une chaff maintenant? Et je crois qu'en plus le sol là, à mon avis, il se dérobe. Écoutez, on va essayer de mettre une chave. Je vais voir si ça marche, que ça je peux bombarder. Ouais. Ouais, voilà, c'est ce que ça je me souvenais. Le sol se dérobe. Regardez le nombre de caméras qu'il y a. Je me prends des rafales de ça, je crois que je meurs direct. Tant pis pour les balles, ça devait être des balles de SOCOM, tant pis. Elles vont être importantes les chaffes, hein. Il va falloir que j'économise. Et là on arrive dans le vif du sujet. Devant le monstre, la machine. L'homme contre la machine numéro 3. Oh là là. Regardez-moi cet engin de malheur. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez remarqué ce que je fais avec des fois le nom des épisodes de notre arc, la Metal Gear. Donc sur Metal Gear Solid 3, j'avais appelé un épisode l'homme contre la machine. Parce que quand on s'était tapé contre le Shagohod, j'avais appelé ça l'homme contre la machine. Et donc dans Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, quand on s'était tapé contre le Salehan Trappus, j'avais appelé ça aussi l'homme contre la machine, bah numéro 2. J'aime bien avoir du sens comme ça, un peu du suivi dans les épisodes là. Snake, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un endroit sûr pour cacher? Ouais, grâce à la combinaison furtive. On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear. Et comment le sais-tu? Je les ai entendus parler. Où es-tu maintenant? Juste en face de Metal Gear. Mais c'est bizarre. Quoi? Il n'y a personne. Ni garde, ni patrouille. C'est bien trop calme. Peut-être parce qu'ils sont prêts. Ils ont dit qu'ils ont entré le code PAL. Que dois-je faire? Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le président Baker. Mais je n'ai en ma possession qu'une des trois clés. En plus, un slot a dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser. Je m'en occupe. Tu as un plan ou quelque chose? Là, je suis dans la salle des ordinateurs et je tente d'accéder au dossier personnel de Baker. Les dossiers de Baker? T'as pas besoin d'un code? Si, bien sûr, mais il y a un moyen. Il y a un pirate informatique? Oui, on peut dire ça comme ça. Tu penses que tu peux y accéder? Je sais pas encore, je vais essayer. Je compte sur toi. Un vrai otaku, celui-ci. Allez, on va monter. Ok, je pensais qu'on avait une cinématique. J'aime pas quand ça met ça parce que je sais pas où sont les ennemis. Mais y'a pas l'air d'en avoir pour l'instant. On va quand même prendre le SOCOM, hein. Et là, c'est pas une porte, non. On va quand même faire attention. Ouais, y'a vraiment personne, quoi. Bah écoutez, on va monter. Ah,
Qui c'est encore ? Snake, c'est encore moi. Ça avance ? Un peu. J'ai dépassé le niveau de sécurité 3. C'était un homme prudent. Tu penses que tu vas réussir à entrer ? Aucun système ne m'a jamais résisté. T'es un boss. Continue. Super. Et c'est pour ça aussi que l'épisode 2 s'appelle les revolvers de Solo 2. Parce qu'on s'était déjà battu contre lui dans MGS3. Voilà, peut-être si vous étiez posé la question en vous disant c'est quoi ces noms là de merde. C'est normal. Je peux monter là aussi, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Snake, j'ai réussi. Bravo, chef. T'as passé la sécurité ? Gagné ! Bien joué. Gagné ! T'as trouvé quoi ? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear. Quelque chose sur le système d'annulation PAL dont Baker parlait ? J'ai encore rien trouvé. C'est surtout ça dont j'ai besoin. Mais Snake, j'ai trouvé autre chose. Quoi ? Quoi ? Le secret de cette nouvelle arme nucléaire. Comme je le pensais, la tête nucléaire a été conçue pour être projetée à partir du canon à rampe. Ce n'est pas un missile, puisque non propulsé par carburant. Il contourne ainsi les traités internationaux. Plutôt tordu. Oui, mais efficace. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Vraiment. C'est un missile furtif. Wow. Donc il n'apparaîtra pas sur les radars. Ouais, en fait, un missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70. Et pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent ? Le problème venait de la propulsion à réaction du missile, détectable par les satellites ennemis. Ouais, ça paraît logique. Mais, vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible, sa détection par les systèmes antimissiles est impossible. Une tête nucléaire invisible. Absolument impossible à intercepter. Et la touche finale, une tête nucléaire marteau-piqueur. Conçu pour pénétrer les bases souterraines renforcées. On a retenu la leçon de la guerre du Golfe. Mon vieux, cela signifie peut-être la fin du monde. C'est l'arme ultime. Et d'un point de vue politique, on évite ainsi les détails du genre réduction des programmes et inspection nucléaire. Colonel, c'est vrai ? Tu m'entends ? J'entends. Si ça s'est bruité, ça retarderait la signature du traité START 3 et déclencherait un terrible incident international. Oui, ça ferait du vilain. Les Nations Unies dénonceraient les États-Unis. Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président. Tu étais au courant, colonel ? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Je ne peux pas me chercher d'excuses. Snake, écoute-moi. Cette nouvelle arme nucléaire, en fait, elle n'a été que simulée, jamais testée. Ils ont utilisé un modèle informatique ? Ouais, et c'est pour ça qu'ils menaient cet exercice. Ils avaient besoin de données expérimentales réelles pour procéder à la simulation. Quels ont été les résultats de l'exercice ? Dépassant toutes leurs espérances. Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau. J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées. Elles l'ont été. Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test. Quoi ? Et tu l'as toujours ? Non, Ocelot me l'a pris. Ah bon, ça ? Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie tête nucléaire. Une fois les codes de mise à feu saisis, ils devraient être prêts au lancement. Tu penses qu'ils peuvent le faire ? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie, donc je pense que oui. As-tu trouvé le système d'annulation ? Ah, pas encore. Il doit se trouver dans un dossier à part. Là, je suis dans les dossiers personnels de Baker. On compte sur toi. Eh ben dis donc, c'est toute une histoire, tout ça. La faute focus. Regardez là-bas. Vous voyez les deux bonhommes, là ? Eh ben on va s'en rapprocher et puis vous allez voir, il va se passer des choses. Des choses incroyables encore une fois. Bon, les petits poteaux, je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve dans deux jours comme d'habitude pour l'épisode numéro 9. On s'approche grandement de la fin. À mon avis, on va faire 10 épisodes. Épisode 9 et puis un épisode final. Et puis ça sera terminé pour cette aventure sur Metal Gear Solid. Là, on est dans la base. Il va falloir qu'on cherche à désamorcer ce Metal Gear. Avant que les méchants ne s'en servent. On espère que ça va bien se passer. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. La santé et l'humour, évidemment. Et on se retrouve très vite pour le 9e épisode. Bye bye.